Hello, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va continuer le scénario principal alors que je viens de me faire attaquer par ce... faucon qui revient, cet enfoiré. Décidément, il m'en veut. Je sais pas où il est. On va continuer avec la quête de Longinus. Alors là, ça tire n'importe comment. Eh ben, disons, ça défouraille sévère. Allez, je vais rentrer, on est parti pour la cinématique. Bienvenue, je suis Longinus. Et toi? Tu es EJ. Tandis, il a une gueule de prêtre, le gars. Loin de l'église. Bien sûr, car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons. Ah, j'en étais sûr! Révélation, il avait tellement une gueule. Très revigorante. Alors là, c'est énorme. Me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses sept sceaux. C'est notre sauveur, notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire. Si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il? Quel? Quand le Christ revient pour briser les sept sceaux et amener le ravissement, il est le lion. T'as le gros malade, quoi. Et un lion, ça a besoin de crocs? Quelle flingue choisirait Jésus? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien. Proverbe 19:11. L'homme qui a la sagesse est lent à la colère. Je comprends pas ce Un que soldat vous... sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, EJ. Voilà, ça je comprends. Chaque arme est une Bible. Et chaque balle. Un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. Mm-hmm. C'est la volonté de Dieu. Ah, ça m'intéresse, là. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer. On a besoin d'hommes, ça va, qu'est-ce qui se passe? On nous attaque. Ne t'en fais pas, Arsène. Alors, il leur dit... Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création! C'est un sacré taré celui-là aussi. La vache! Je sais pas ce que c'est que ce pays, mais. Bon, ça défouraille a priori. Oh la vache! Oh le rhinocéros, eh! Wow, 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 wow. Oh putain! Oh les coups qu'il met! Ah non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Tu te souviens de cette époque, EJ? Moi, ta mère et toi dans ses bras. Non. Elle n'a jamais été plus heureuse que cette époque. Putain, la vache, le rhinocéros. Comme il rigole pas. Pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le diable. Ce pays n'a toujours été comme ça. Oh putain, il m'a défouraillé la gueule. J'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Oh. Je suis en train de prendre trop cher là. Oh là là, le rhinocéros, il a pété tout le monde quoi. Putain, il y en a... Ah mais c'est qu'il y en a deux quoi. Oh là là. Moi j'ai gagné mon karma. Par contre, il faut que je... Il faut que je m'en aille. Non. Ah non, l'enfoiré, il m'a trouvé avant. Aïe 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 aïe. Allez, démarre. Non. Oh putain, ouais. Bon. C'est comme qui dirait Allez, let's go.
Donc j'ai 6 minutes pour aller là-bas. J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les bouges. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Girat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Ne les laisse pas t'enfoncer, AJ. Isoiri ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Bon, j'ai intérêt à récupérer énorme là ce fric là. Je suis dans la merde. Wow 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 wow. Je suis là, Saban. Qu'est-ce que je peux faire? Putain, reste à couvert et sauve tout ce que tu pourras. Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts. Débarrasser le village des soldats, rien que ça. Alors. Wow, 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 wow. Oh là là, l'hélico et tout. Là, faut qu'il me donne son arme, lui. Putain la vache, petit. Wow 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 wow. Putain. Le mec après il saute dessus quoi. Putain, j'aimerais bien prendre un peu de hauteur là. Oh merde, je me casse la gueule en plus. Ouf! Je pouvais pas tirer plus à côté quoi. Bon, je pense que je me mettrai en difficile quand même pour les parties d'après. Histoire qu'il y ait un peu plus de challenge. Ça se trouve je dis ça et je vais mourir dans 2 secondes avec ces putains d'hélico là. À la réception. Oh, c'est sympa de ça.
Ça y est, les potes qui arrivent. Plutôt bon signe. Où ça? Là. Ninja. Bon alors qu'est-ce... Ah c'est qu'il faut y aller à l'intérieur. Oh. Oh 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 oh. Putain mais je vais cramer là-dedans. Putain. Ah je cramais. Putain, je suis en train de me cramer quoi. Oh là 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 là. C'est chaud. Je vais bien. Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Mais de rien, ma petite. Touche genre un mot à ta maman. Ou à ta grande sœur, ou à je sais pas quoi, mais en tout cas. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'EJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez. Retour à l'envoyeur, mission terminée. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. J'espère que vous continuez à regarder. En tout cas, moi, je m'éclate. À la prochaine.